Salut à tous, c'est Big88 et on se retrouve aujourd'hui pour un spotlight sur Miss Craft. Donc voilà, on va parler. Il y a deux grosses utilisations à Miss Craft. Donc on va parler de la première, gros morceau dessus. Et après on verra en détail la deuxième utilité. Donc pour la première utilisation, donc celle de base, la plus classique, on met Miss Craft dans les modes, on touche à rien et on joue. Donc voilà, donc Miss Craft est un mode qui rajoute des mondes énormément, donc qu'on peut générer au hasard, qu'on peut générer en essayant de s'approcher de ce qu'on voudrait. Donc voilà, donc on va commencer le spotlight. Donc tout débute, à la base, vraiment du mode, c'est le ink mixer. Donc qui se craft comme ceci, 5 stone, 2 bois et une glass bottle. Donc voilà, on le voit ici. Donc qui se présente comme ceci, un rond et 4 slots. Donc comment il marche, à quoi il sert? Il permet de faire créer, on va dire... la page de garde, non, la page de base du monde. Donc pour ça, il nous faut des glass bottles, mais remplis d'eau. Donc voilà, on va s'en remplir d'eau. Il nous faut des ink, voilà, pour faire des bouteilles d'eau. Donc voilà, une water bottle et deux colorants. Donc moi, là, c'est... le ink sac des poulpes, mais ça marche si on a Red Project comme moi avec le sapling black. Ça marche avec un peu tous les colorants. C'est vrai que j'aurais pu le préparer avant. Je l'ai préparé pour après. Voilà, moi je vous montre. Pas de triche. Je crois qu'on peut le mettre partout. Ouais, voilà. Il faut au moins qu'il y ait. Ah, il en faut plus que ça. Pour le début. Oh là là. Ouais, vraiment désolé. Hop, voilà. On va faire ça. Hop, voilà. Il nous faut aussi alors du papier. Donc on a notre papier et nos inviales. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Bon, désolé. Voilà. Donc pour ça, il faut mettre la fiole d'encre ici. Donc voilà, on se remplit. On en récupère notre bouteille vide et du papier. Donc là, on obtient le link panel. Donc voilà, une page, tout simple. Non, une page de garde. Qui, à l'état actuel, ne sert à rien. Donc voilà, on va se dire, elle est là. Elle ne sert strictement à rien. Mais, en l'associant avec d'autres items, on va pouvoir se crafter... des livres, comme ceux qui ont peut-être connu Miss Craft avant sa version 10, qui était crafté directement. Donc on va pouvoir se crafter l'Unlinked Link Book. Voilà, donc tout simplement, hein. La Link Panel, la page de garde, du cuir, et on obtient un Unlink Book. Donc c'est comme dans l'ancien Miss Craft. Dans l'ancien Miss Craft, on le craftait, ça donne notre position. Alors là, c'est vrai que c'est plus simple, c'est plus cool en tout cas, parce qu'avant, fallait, c'est là où on le craftait sur soi. Des fois, on le craftait pas forcément. Donc, ce livre sert à mémoriser sa position et son orientation. Donc, par exemple, on va, si on veut se téléporter ici, voilà, on regarde dans la direction E et on fait un clic droit. Et hop, on voit qu'on a un Linking Book. Donc voilà, hein. Le livre se présente comme ça, donc le livre, Overworld, donc le monde de base. Un écran bleu normalement qui permet de voyager dans le monde, mais là vu qu'on y est déjà, on peut pas. Et les pages pourraient être tournées, mais ça c'est dans les mondes qu'on va se fabriquer, parce que l'Overworld, on peut pas le modifier. Hop. Alors, après, il nous faut... Bon, avant de continuer un peu, il nous faut le book binder. Donc, je vous montre le craft, tout simple. 5 planches, 3 fers.
Voilà, qui se passe. Oh, bah bon, je le mets. Voilà, qui permet de créer des livres pour les mondes. Voilà, c'est là-dedans que tout se passe. Donc, pour créer un livre, on met du cuir et notre page. Donc, pour commencer, faut savoir que des pages, on va en récolter, mais au début, on n'a que la page de garde. Donc, on la met là. Et ça nous crée un descriptive book. Voilà. Hop, comme ça. Bon, j'en ai déjà créé plusieurs, c'est pour ça qu'il s'appelle H12. Voilà, le premier s'appellera H1, 2, je crois, puisque le 1 est réservé à l'under. Donc H3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, autant qu'on veut. Plus on en fait, plus ça alourdit le serveur ou la solo. On peut les supprimer, je vous montrerai tout ça après, comment supprimer les mondes. Et comment, pour la deuxième partie, on verra ça après. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le descriptive, les livres sont considérés comme des entités et non comme des items. C'est-à-dire que voilà, quand je les jette au sol, vous voyez, je peux le pousser comme interagir avec lui, comme un mob. Donc, il craint la pluie. Donc, s'il pleut, ça va l'abîmer. Donc, je crois. Non. Voilà, si je donne un coup dessus, il l'aime pas. Il craint la pluie, il despawn. Voilà, au bout d'un moment, il disparaît. Donc, pour récupérer un livre au sol, on prend un dans la main, on fait un clic droit dessus. Et là, on voit sa barre de vie que j'ai déjà un petit peu abîmée. On clique dessus et on se le remet sur soi. Dès qu'on le remet dessus, il se régénère. On va dire comme ça, voilà, si on peut jamais. Hop. Voilà, il se ravime plus. Donc, pour éviter le despawn qui s'abîme par la pluie, il y a deux choses, c'est le lectern, donc voilà, qui se craft comme ça, avec un stick, et le bookstand. Voilà, donc là on a des bookstands et là on a des lecterns, donc des pupitres, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc pour se crafter dans un monde, on va pardon, oula, j'ai un petit peu de mal, excusez-moi. Pour partir découvrir des mondes, tout simplement, il va lui falloir de cliquer sur le livre et de cliquer sur cette case qui va nous téléporter. Mais avant, une chose très importante, même si on va voir autre chose, toujours partir avec soi avec un linking book de l'overworld, ou du monde où on se trouve, où on veut retourner. Vraiment, très important. Et plusieurs, si on compte voyager de monde en monde, car je vais vous montrer après que le livre ne nous suit pas. Il tombe au sol une fois qu'on l'utilise, il reste, il permet de nous téléporter, mais lui reste sur place. Donc on va commencer à aller par celui-là, l'HK. Donc vous voyez que c'est moi qui l'ai créé, 1088. On clique dessus. Donc voilà, donc là c'est assez rapide. Oh, peut arrêter la pluie? Non, je crois pas qu'on puisse arrêter la pluie. Donc voilà, là comme on le voit, on est dans un monde assez bizarre. Donc c'est un monde échiquier. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a plusieurs choses. Donc le monde échiquier, avec, vous voyez, un biome, un océan, un. Voir, c'est quoi? Alors. Non, mais Jungle Hill et Frozen Rivière. Même pas, ouais, c'est vraiment échiquier. Alors c'est double échiquier là, vraiment. Parce qu'on a l'échiquier, les petits carrés avec le Frozen Hill et le River, pardon, et le Jungle Hill et notre biome contrôleur échiquier pour la température. Donc voilà. Pour les. Oh là là, je vais arriver. Le biome en carré, le square. Voilà, donc ça on verra après. Donc, la base. Oh, je vais arrêter le. Voilà, la pluie, désolé, ça m'énerve un peu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive dans un monde, il y a toujours une plateforme de 5 par 5 qui est générée en dessous de nous. Voilà, donc c'est sympa parce que des fois, on a des mondes où on est dans le vide complètement. Voilà, donc ça permet de retrouver son point de spawn assez facilement, même si ce petit carré de 5 par 5, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Donc voilà, c'est ici que je vous conseille de mettre votre livre de retour. Donc on va mettre un. Oh, j'ai en majuscule.
un bookstand, on va le mettre là par exemple, pour notre retour. Voilà, au moins il est à l'abri, même si une fois sur son bookstand, il ne craint plus la pluie. Et on va explorer un petit peu le monde. Donc, pour récupérer des pages, des pages de biome contrôleur et tout, et faire le monde qu'on veut, il y a, hop, on va le voir, les bibliothèques de Miscraft qui sont générées uniquement dans les mondes Miscraft, en général qui sont... Ouais, je crois que dans tous les mondes, il y en a, il suffit de chercher un petit peu, et ça se présente à l'intérieur avec... Bah, donc celle-là, elle est bien garnie. Donc avec des lecternes et des pages. Donc là, on a double lens. Donc ça, c'est un contrôleur pour la lumière. Ben, on verra après le temps. Oakwood block. Donc si on veut rajouter, par exemple, si on veut faire le terrain en Oakwood, on peut faire tout ça. Island World. Donc un monde avec des îles. Normal Star. Donc les étoiles normales. Et voilà. Donc on peut récupérer après toutes les bibliothèques. Mais une chose très importante à savoir, et que peu de gens savent, c'est que dans un coin... Voilà, alors je crois que ça change, un coup de droite, un coup de gauche. Il y a un coffre dans lequel se trompent énormément de pages. Donc le Rising, le Large Biome, qui permet de contrôler les biomes. Netherrack Block, donc qui permet le biome, la plage, bleu, qui est un modifieur de couleur pour le ciel. Arc-en-ciel aussi. Et olive, qui est encore un... Je crois que c'est une couleur, si je me trompe pas. Voilà. Donc on a voilà ces bibliothèques qui permettent d'acquérir des pages qu'on va pouvoir stocker tout ça. Donc voilà, donc pour retourner dans l'overworld classique, on rentre dedans et on clique dessus. Donc voilà, on revient là où j'avais fait mon linking book. Donc on va se vider les pages, on les verra après. Alors dans le cas, on va y retourner. Imaginons, dans un cas, on s'est retrouvé dans un monde sans prendre de Linking Book. Beaucoup de gens demandent, j'ai vu comment on fait. Donc il y a la technique de se mettre en créatif et de se giver un... Pour ceux qui ont Twilight Forest. Ou un portail de l'End, un portail du Nether et tout ça. Mais je crois que ça marche pas dans les biomes, faut être dans l'overworld pour ça. Donc il y avait. Mais je crois que je l'ai pas là. Non, j'ai pas le mode Twilight. Donc il y avait une technique avec Twilight. Mais la technique la plus simple, alors là c'est vrai que si vous êtes joué tout seul, c'est nickel. Si vous êtes sur serveur, bon bah vous pouvez demander. À l'OP, s'il peut vous donner 30 secondes la main pour pouvoir taper un code ou vous le tapez lui, il suffit pour vous de taper tout simplement TPX0 qui correspond à l'Overworld, 1 étant l'End et moins 1 le Nether, entrée. Et là, ça vous renvoie dans l'Overworld au point de spawn de départ de la carte. Voilà, donc là on va voir, moi quand j'ai commencé la carte, il y avait le coffre de base où il y a tout qui est donné. Donc voilà, ça c'est une petite commande vraiment. Hop, on va enlever F3, ce sera plus simple. Voilà, je triche un peu pour aller plus vite. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est une petite commande sympa à connaître. Elle peut permettre aussi de, si on fait TPX par exemple, là on était dans l'H4, je crois. Donc si on fait 4, voilà, je me retrouve ici. Voilà. Pour ce qui est du voyage, pour l'instant, entre les... Oh, je vais pas y arriver. Entre les mondes. Alors après, on va voir quelque chose, même si c'est pas très utile, parce qu'on peut l'avoir uniquement en mode créatif. C'est le Link Modifier. Donc voilà, qui peut être utile pour créer des mondes ou quoi. Qui a la particularité, je crois qu'on pouvait le crafter dans la version 9, avec que des blocs de diamants, c'était très très cher. Mais après, avec d'autres modes, c'était devenu un petit peu abusé, c'était facilement. Donc voilà.
Le bouquin, comme on l'a vu, ne permet pas de se téléporter dans le même monde, ne nous suit pas. Et voilà. Et donc, avec le Link Modifier, uniquement en créatif, on permet d'avoir par exemple Maintain Momentum. Donc là, qui permet de garder le mouvement. C'est-à-dire, si on court à travers un portail, on courra dans l'autre. Donc, ça peut être utile pour les. S'il y en a qui utilisent les minecarts, voilà, qui permettent de garder le mouvement. L'intralinking. Vous voyez. Hop. Voilà. Qui permet, quand on le fait. Il m'a pas suivi. De voyager dans le même monde. Generate platform. Donc générer une plateforme. Ça, en général. Quand on va dans les âges, ça le fait automatiquement, mais bon, sait-on jamais. Alors, relative. Donc ça, c'est. Si par exemple, on crée un livre à un endroit et qu'on se déplace, par exemple, à un portail, qu'on le fait par exemple 100 mètres plus loin, et qu'on met le livre dedans, on verra plus tard. Et ben, quand on prend ce portail, on sera 100 blocs. On sera téléporté de 100 blocs par rapport au point où on avait décidé d'apparaître. Donc voilà, following, donc qui permet de nous suivre. Donc, hop, je vous montre. Peut-être que je le prenne. Hop, si je me téléporte, il est sur mon inventaire. Donc voilà, permet de suivre, mais voilà. Et le dernier qui est disarm. Donc là, par exemple, si je fais. Voilà, je le prends. Voilà, j'ai tout perdu. Bon, là, malheureusement, j'avais l'aimant sur moi. Donc si vous voulez, on refait sans les mains. Donc voilà, qui laisse tout sur place. Mais aussi le livre, ce qu'il faut savoir qu'on a faux lowing. Hop. Hop, on va se redonner un livre. Alors, bon, malheureusement, comme je vous l'avais dit, le Link Modifier est uniquement en créatif. Mais vous inquiétez pas. On peut quand même avoir quelques. Oh, je vais y arriver. Quelques caractéristiques qu'on peut avoir. Donc, les caractéristiques qu'on peut avoir en mode normal avant, c'est Maintain Momentum, Intralinking, la plateforme et Disarm. Following et Relative ne sont uniquement possibles qu'en créatif, donc en passant par le Link Modifier. Donc comment faire pour avoir un tralinking vu qu'on ne peut pas avoir par exemple on peut pas se faire le link modifier? Il suffit de retourner dans le ink mixer par exemple. Ah ben non mais c'est de ink mixer et voilà donc on va prendre des objets vanilla. Donc ça marche avec beaucoup de mods, faut chercher, je crois que ça marche aussi avec IC2. Je suis pas sûr, j'ai pas eu le temps de tester, mais je vais essayer avec les objets vanilla qu'on peut avoir facilement. Donc voilà. Hop, alors on peut mettre de la plume. Alors là qui permet d'avoir maintain momentum. Donc comment ça se passe? On prend des plumes et on les met dedans. Vous voyez qu'il y a un symbole qui est apparu mais qui a disparu aussitôt. Donc là, soit on peut prendre la page et on a une chance sur, je sais pas, sur 20 d'avoir le maintain momentum, ou on rajoute des plumes. Jusqu'à quand que le symbole, ouais, hop, il s'éteint de moins, il reste de plus en plus allumé et s'éteint de moins en moins. Donc là, des plumes, ça va. Donc on peut y aller. Hein. Donc voilà, par exemple, là, il s'éteint plus. Donc j'ai de fortes chances. Ah non. Ah, pas assez. Ah, c'est vraiment très rare. D'habitude, quand il est allumé, hop, on va tout y mettre. Eh ben, dis donc. Non mais. Ah. Ah bah ça c'est vraiment bizarre. C'est la première fois je l'ai fait juste avant. Bah, je vais lui mettre un stack, comme ça il sera content. Voilà. Voilà. Ouh. Bah je sais pas. Ah bah si, je l'ai eu tout à l'heure. Bon bah sûrement un bug alors. Je veux dire, d'habitude je l'avais à chaque coup. Donc on peut le voir.
J'ai eu mon maintain momentum qui permet, donc comme on le met dans le directement, comme je vous l'ai montré dans le bookbinder, voilà, si on fait ça, permet d'avoir directement notre. Oh non, pas ça. Voilà, remplaçant la page Misscraft par celle-là, donc simplement avec du cuir, d'avoir Unlinked Linkbook avec Maintain Momentum. Mais bon, ça nous intéresse pas tellement. Nous, ce qu'on veut, c'est l'intralinking au moins, qui est utile donc pour l'intralinking. Il y a, alors qui marche beaucoup, il y a les bouteilles d'XP, mais bon, vu qu'on peut pas les crafter, on peut les avoir seulement, je crois, dans des coffres, dans des donjons. Donc voilà, pas encore, mais presque. On va y arriver. Voilà. Intralinking. Voilà. Donc on l'a. Ouais, j'en ai mis quand même presque un stack. Donc ça fait presque 30. Donc ça fait cher. Sinon, il y a les perles de l'Ender. Mais elles sont à double tranchant. Parce qu'elles ont soit intralinking ou soit disarm. Donc qui nous enlève tous nos items dans notre inventaire. Donc voilà. Là, hop, vous voyez, c'est très. C'est très 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 rapide. Donc il faut enlever la page au moment, soit des armes ou soit un tralinking. Donc par exemple là, hop. Ah bah non, pas de chance. Donc ouais, ça dépend vraiment. On va remettre le stack. Et voilà, bon voilà, j'ai eu les deux même. Un tralinking et des armes. Donc j'ai dû prendre pile poil entre les deux. Pas tellement utile, mais voilà, faut choisir quand on enlève la page au bon moment. Et le dernier, je vous ai pas fait, l'argile. Donc on va y aller franco. Hein. Bon, si vous en mettez un ou deux, vous avez quelques chances de l'avoir, soit ou soit si pour l'argile, l'autre c'est les plumes, bon c'est pas très cher, on peut y aller franco. Donc voilà, j'ai la plateforme de la génération de plateforme. Quand j'apparais, quand je me déplace, si jamais mon livre est en l'air, hop, ça génère une plateforme. Donc voilà pour récupérer les intralinking, maintain momentum, disarm et generate plateforme. Donc c'est bien beau de pouvoir se déplacer, mais maintenant on aimerait créer son monde. Donc pour créer un monde, il nous faut des pages. Et pour stocker ces pages, il nous faut un notebook. Donc le notebook, c'est 3 cuirs. Hop, on obtient notre notebook. Donc il est vide. Voilà, on peut voir, il est vide. Et pour pouvoir l'éditer, bah, soit on va se donner. Hop. Ah. Hop, on va reprendre quelques pages que j'avais tout à l'heure, que j'ai jetées bêtement, que j'aurais dû garder. Voilà. Donc on fait un clic droit et on place nos pages. Voilà, comme ceci. Voilà, donc pour pouvoir utiliser les pages, on peut les utiliser directement dans le bookbinder. Donc voilà, en mettant toujours une page de garde. Hop, on se fait nos pages. En les mettant côte à côte. Donc voilà, et on génère les. Sauf que on perd nos pages. Donc le mieux, ça serait de faire une copie des pages. Ce qui est plus intelligent. Donc pour faire une copie des pages, il nous faut un writing desk. Donc qui se crafte avec du bois, une bouteille de verre et une plume. Donc pour le mettre, hop, on le met en long. Ces deux bibliothèques collées. Hop, on fait un clic droit dessus et on obtient. Cette interface, donc on place notre notebook ici, donc avec nos pages. Donc on peut en faire plusieurs, un notebook si vous voulez. Voilà, il y a autant d'emplacements que vous voulez. Donc si vous voulez faire un notebook avec, je sais pas moi, les biomes, un autre avec la lumière, et tout ça, c'est à vous de vous arranger. Et pour faire une copie des pages, il nous faut forcément de l'encre qu'on met ici, et du papier. Donc on fait un clic droit sur la page. Voilà, qu'on veut et on en obtient une copie, tout simplement. Voilà, on obtient notre copie de page. Donc ça a consommé un peu d'encre et
un papier. Donc voilà. Ce qui nous permet de faire des pages. Donc voilà, après les pages, on les associe ici pour faire un livre. Donc ça, là, je vais le traiter un peu à la fin, je reviendrai dessus, on va faire un monde, comment les placer pour avoir le moins de chances d'instabilité. Ce qu'il faut savoir que... je peux peut-être vous le montrer. Non, je vous montrerai plus tard. Il y a pas mal de... énormément de pages. On peut changer la couleur du ciel, la couleur du soleil. Mais qui dit trop beau, parce que oui, on peut faire un sol entièrement en blocs de diamant. Un monde avec 80 couches de blocs de diamant, c'est alléchant. Mais ça serait trop facile. Donc il y a des instabilités dans les mondes. Donc ça peut être mining fatigue, slowness, hunger. Pour ce qui est de l'altération, et après on a des vrais malus, c'est des météorites qui atterrissent et qui explosent, donc qui font des gros trous. On a lightning rod, donc la foudre. On a, je sais plus comment ça s'appelle, le mangeur de monde. Ah, est-ce que je l'ai? J'ai oublié son nom. Hop. Non, on peut pas l'avoir. Mais bon, je vais vous le montrer parce que j'ai créé un monde où il y est. Donc oui, c'est un, je sais plus, c'est un dévoreur de monde. En fait, ça mange les mondes. C'est des petits cubes qui grossissent en mangeant les autres autour. Donc c'est une anomalie et qui va détruire le monde petit à petit. Donc il rend complètement inexploitable. Et je vais vous donner une dernière chose aussi, vu qu'on y est avant d'aller dans le monde. Un petit peu mélangé pour ce spotlight. Je suis vraiment désolé, je l'ai un peu préparé de façon un peu plus rapide que les autres. Il y a le cristal qui permet de faire des portails, c'est-à-dire plus se balader avec le livre, l'activer. Hop, on passe dedans, et tac, on est téléporté. Donc le cristal se trouve dans des mondes Mistcraft qu'il faudra, ma foi, créer. Pour en trouver. Et pour que ça marche, il nous faut un bouc réceptacle. Donc tout simplement, c'est 4, c'est 8 cristals, ça donne un bouc, on le place à côté d'un portail et on met un livre. Donc le livre qu'on veut, et hop, en passant dans. Ah oui, celui-là il est pas intra. Ouais, ça se joue juste pour vous montrer. Oui, forcément, parce que c'est celui qui va dans l'overworld, donc il n'est pas intra. Donc voilà, hop. Et voilà, donc il téléporte tout simplement. Donc, hop, je vous montre. Hop, voilà. Oh. Ouh, ça a changé ça. Ah, c'est vraiment des mondes très bizarres, hein, Mistcraft. Donc voilà. Alors que les lags, ce n'est pas mon ordinateur. C'est des lags volontaires du jeu, voilà, pour rendre le monde injouable. Un cristal, on a ça. Donc voilà. Voilà, les decay. Ouh là, j'avais cherché le nom. Donc là, par exemple, on a le 3. Il y a les rouges, les bleus et les verts, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je crois que c'est une météorite en plus, non? Ah non, c'est une chauve-souris enflammée. Donc voilà. Donc ça peut être des mondes totalement bizarres. On va essayer de se mettre en survie. Non, on n'a pas de. Il n'y a pas de. Comment ça s'appelle? De pas de carré de malus, voilà, à part ça, je sais vraiment pas ce que c'est. Alors que ça nous donne hunger. Je pourrais pas te dire ce que c'est, mais c'est vraiment rajoute énormément. Donc là, on a la slowness dans le. Ah, oui, je sais pourquoi je prends feu.
C'est parce que je suis sous le ciel, donc c'est un ciel enflammé. Donc si je me découvre normalement, non? Ouais, si voilà. Donc c'est le soleil qui enflamme. Donc il y a énormément de malus, de bonus, ben, de bonus, non pas tellement. Le monde, soit il est bien, ou soit il est mauvais. Donc là, on a un assez mauvais monde. Vous voyez sur la carte, je sais pas si vous voyez, en haut, là, près de la flèche verte. Comme les mangeurs de monde, les décailles grignotent le monde. Donc voilà, ça le rend totalement indépendable jusqu'à cracher. Jusqu'à cracher. Voilà, donc on va quitter ce monde. Bien sûr, j'ai fait le truc stupide d'oublier le livre que j'avais sur moi. Donc tout simplement, hein, TPX0 pour retourner à l'Overworld. Faut que ça charge. Ah oui. Oh là là. Hop là, voilà, on retourne vite. Donc voilà, on a vu quelques instabilités dans... Voilà, dans ce monde, il y en avait pas mal, j'avais trouvé avec énormément d'instabilité. Voilà, donc le portail, on l'a vu, le cristal qu'on récupère avec une pioche. Boucler cette taille. Donc la taille du portail, vous voyez, n'a aucune importance, n'importe la forme que vous voulez. Voilà, là c'est un 4 par 3. Alors là, c'est une forme totalement... totalement improvisé, donc voilà, il n'y a aucune limite dans la forme du portail. Alors, donc pour se créer les pages, donc nous on va un petit peu tricher. Hop, je vais vous montrer tout ça. Donc pour créer un livre, il nous faut une ligne panel de base, donc voilà. Donc il faut toujours commencer, hop, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, par des biomes. Toujours le biome en premier pour éviter les instabilités. Donc on va prendre par exemple, non, le biome. Donc on choisit des modes, on rajoute si biome plantier rajoute énormément de pages avec tous ces biomes. Donc voilà, on va se faire par exemple un biome plage. Donc faire attention de bien faire des copies. Moi je le prends directement en mode créatif avec un forest biome. Et allez, il en faut en général 2, 3, 4 grand maximum. Après il y a beaucoup d'instabilité. Donc voilà, on met nos 3 biomes. Après il nous faut le biome contrôleur. Donc voilà, des immenses biomes, des grands, des moyens, natifs biomes. Donc c'est celui-là, je crois qu'il est uniquement, on peut pas l'avoir uniquement en créatif. C'est le l'overworld en fait. Pour avoir l'overworld, donc on le met sans biome, on met juste lui, permet d'avoir, je crois, l'overworld. À moins qu'il soit là, désert. Non, non, c'est celui-là. Ouh. Donc voilà, small, voilà, vide, tout petit biome. Donc voilà, on va se mettre un médium, voilà, classique. Il y a single biome, donc on met un seul biome. C'est si on veut éviter de rajouter, parce que là il peut rajouter des biomes, par exemple si on n'en met qu'un, eh ben, il peut lui en rajouter aussi s'il trouve qu'il y a des manques. Donc si on met single biome, on est sûr qu'il n'y aura pas d'autres. Biome, après il nous faut par exemple la Celestia, il nous faut les astres, donc le soleil, la lune. On n'est pas obligé de les mettre, mais vaut mieux, donc on choisit. Et voilà, c'est là où vont apparaître les modifieurs. Donc voilà, couleur et basique. Donc là, vous voyez, on a le Dark Moon, Dark Star et Dark Sun, donc ceux-là ne sont pas modifiables. L'Understar Leaf, je sais plus. Je crois que c'est la lumière du Nether. Donc là, la normale, les étoiles, le soleil.
les étoiles brillantes. Hop, pour les modifieurs basiques. Donc là, on a le double les temps, enfin, deux fois plus lent. Donc on choisit le soleil se lève à l'est, plein temps, la moitié du temps. Juste l'aurore, voilà, on choisit au sud, zéro, il bouge pas. Donc voilà, si par exemple on met normalement un zéro temps, par exemple, si on met avec au zénith, donc c'est-à-dire en haut, donc on met hop, toujours à gauche, les modifieurs de la page qu'on modifie, avec au zénith et qu'on met par exemple. Non. Ouh, je l'ai mis où? Bah mince, où est-ce que je l'ai mis? Ah, pourquoi je l'ai remonté? Et qu'on prend un normal sun. Voilà. Donc là, on clique pour le déplacer. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choisir. Alors, ça on a fait. Je vais les enlever. Hop. Alors la lumière, on peut choisir la lumière. Donc soit normale, soit sombre ou soit très brillant. Donc on va prendre normal. Et par exemple, si on veut la colorer, on peut. Moi je vais laisser normal. Mais par exemple, si on veut mettre une couleur. Bah allez, on va la mettre jaune. Donc plus on rajoute de choses, plus on a de la chance, ça dépend d'avoir des instabilités. Si on rajoute des modifieurs bizarres, jaune. Et si on reste dans le normal, normalement, il n'y a pas de. Pas grande. Il n'y a pas de forte chance à ce qu'on ait des instabilités. Donc voilà. Le temps visuel, si on veut changer. Hop. Dans le visuel. Si on veut changer la couleur de l'herbe, ça c'est bon, ça c'est modifier. Ça, il s'agit des structures, si on peut dire. Donc les formations de cristal bleu qu'on a vu, les lacs, les dents or. Voilà, si on veut beaucoup. Alors ça marche. Alors ça, c'est instabilité à coup sûr. Plus on le met de fois, plus je crois que ça augmente par 80 la chance d'avoir. Donc des instabilités. Les donjons, les grands arbres, les mineshafts, les forteresses du Nether, les obélisques, les star fissures. Alors ça c'est pas mal, la star fissure, ça permet de, si jamais on a oublié son bouquin, de pouvoir d'avoir des fissures, de sauter dedans et d'être amené à l'overworld. Donc on va en mettre une. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut se mettre d'autre? Hop. Ça, c'est le terrain, c'est par exemple si on veut du cave world, du flat, des îles, du standard terrain, le vide. Voilà. Là, on a, si on veut skyland, des caves, par exemple, nous on va se faire des sphères. Tiens, hop. Nous on va se faire des sphères en. Hop. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut se faire? Alors là, il y en a énormément. En biofuel, alors là c'est. Là il y a de tout quoi, c'est vraiment. Se faire en diamant. C'est de chercher des blocs et pas des. Ça c'est si on se faire des sources, des lacs, on peut se faire des lacs de tout ce qu'on veut. Et voilà, et la Nether brick. Donc. On place notre sphère. Non. Les modifieurs et la sphère. Donc voilà. On va dire que là, on est pas mal. Donc on va l'essayer, tiens. On est des fous. On va se le mettre là. Et c'est parti. Allez, hop. Ne pas oublier le linking book. Attendez. On va se vider pour être tranquille. Et on va voir. Alors le ciel jaune comme je l'ai mis. Hop, ça charge, c'est très long. Ah. Ah, j'ai pas mis la génération du terrain.
J'ai oublié de mettre standard terrain, donc il a choisi pour moi. On se retrouve dans un cave world. Donc voilà, on est dans une cave. Ça, c'est faut que ça charge, mais c'est une cave. Donc là, avec nos sphères de nether brick. Ah, donc là, on trouve dans une grande. Est-ce que j'ai. Hop. Voilà, on a une vision, on verra mieux. Donc le jaune, c'est juste que ça n'a pas chargé aussi loin. Donc voilà, on se retrouve avec nos sphères de nether brick, nos sphères de diamant. Et est-ce qu'on a. Non, ça a l'air. Ah, peut-être que j'enlève ma quantum. Non, on n'a pas l'air d'avoir d'altération. Tout a l'air bien, j'ai une vision, donc voilà, on va essayer. On peut monter, hein. Vous voyez au sommet, c'est les biomes, donc les biomes que j'ai choisis. Hein. La plaine, la plage. Il faut savoir, c'est en montant, c'est un flat. Voilà, on va monter, c'est très haut, je crois. Hop là. Donc voilà, on l'a choisi avec le soleil au zénith. En zéro, donc il bouge pas. On voyait que la lune bouge. Et là, est-ce que non, c'est un monde largement correct. Donc voilà, donc je suis plutôt content de moi, sauf que je suis désolé, j'ai oublié de mettre la génération du terrain standard. C'est dommage. J'aurais dû y penser. Parce que là, ouais, après il a laissé choisir donc la cave. Voilà. Donc la cave, bon bah il suffit de remonter. Donc voilà, on a des sphères entières pleines de diamants. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Donc c'est vraiment pas mal pour ça. Voilà. Hop, on va rentrer. Hop, je vous quitte petit instant histoire de retrouver sur. Non, on va pas se retrouver, je vous expliquais. Donc voilà, ça termine la première partie, la première utilité réelle de Mistcraft si on veut jouer en RP, tout seul, se créer des mondes, explorer un peu pour des ressources. Et la deuxième utilité, alors là, qui est utilisée sur des gros serveurs, énormément de gens l'utilisent, c'est d'utiliser Mistcraft juste pour se créer des mondes. Donc des mondes qu'on a donc uni de le créer en créatif, donc pendant qu'on est sur le monde, donc de créer un monde parfait et sans instabilité. Et pour ça, en créant des mondes qu'on veut, par exemple avec un seul biome sans instabilité, pour ça il faut modifier les configs, donc pour ce qui est pour enlever les météorites. Je sais pas si on en a trouvé des météorites. C'est vrai que j'ai fait d'autres mondes, j'aurais pu y aller. Par exemple, si on en prend, on va voir s'il y a une instabilité. Mais des fois, il y a des. Là, on se retrouve. Voilà. Alors là, c'est carrément un Skyland. Donc vous voyez. Hop. Il n'y a strictement rien dessous. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un Skyland bien paumé. Mais il n'y a pas l'air d'avoir. On n'a pas trop d'instabilité. On reste dans des mondes. C'est toujours mon night vision. Non. Ouais, c'est vrai que j'ai pas d'instabilité parce que j'ai pas demandé des trucs. Si je demande un double dense or. Oh, j'ai encore oublié. Si je demande un double dense or, c'est à coup sûr qu'on aura de grosses instabilités. Donc, comme j'avais mon genre de monde, des météores. Donc, ça, c'est une météore qui arrive d'un coup, bah, ça explose dans des cratères. Assez impressionnant. Donc, voilà, on va se retrouver sur mon bureau pour que je vous montre comment. Changer les configs si vous voulez créer un serveur avec des mondes, chacun son monde, donc voilà, fait ce qui veut aller à tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur mon bureau pour la deuxième utilisation de Mistcraft qui est de faire, comme je vous l'avais dit, des mondes pour des joueurs sans créer le monde parfait, sans instabilité, et puis qu'on puisse pas modifier. Mistcraft, donc pour ça il faut que vous ayez dans votre fichier d'instance. Donc moi par exemple j'utilise MultiMC, mais si vous utilisez Launcher Minecraft, ou je crois que c'est Magic Launcher, ou il y en a d'autres,
à vous de choisir. Donc vous êtes dans le fichier config, Miscraft, et là vous avez core et instabilities. Donc vous les ouvrez, moi je les ouvre avec Notepad. Donc si vous voulez, je mettrai un lien dans la description. Voilà, mais bon, c'est le plus connu. Donc voilà, là vous avez. Oups, j'ai inversé. Voilà. Là, vous avez la version de base. Quand vous installez votre Minecraft, donc ça c'est vos idées que vous pouvez modifier. Et là vous avez en général, donc les crafts, tout ce qui est vrai, voilà. Que vous pouvez crafter ou pas. Si vous décidez de ne pas pouvoir y toucher, il suffit de tout mettre en false, voilà. Hop, 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 on met tout comme ça. On peut plus rien faire, on ne peut pas modifier comme ça. Le seul moyen, c'est de le faire en créatif. Donc la personne qui gère le serveur le fait. Voilà, crée les mondes tranquillement. Hop, une fois que les mondes sont créés, il enlève les livres ou il laisse un seul livre ou un autre portail en utilisant le mode Stargate par exemple sur lequel j'ai fait un spotlight. Et pour les instabilités, donc voilà, il y en a pas mal. Donc il y a, comme je disais, le blindness, confusion, crumble, les decay. Donc je vous ai dit 3, je me suis trompé, il y en a 5. Il y a la black, la blue, la purple, la red et la white. Donc voilà, donc c'est les dévoreurs de monde, les cubes qui envahissent, qui détruisent le monde. Donc il y a l'érosion, les explosions, mining, fatigue, hunger, lighting, c'est les éclairs, le météore. Alors ça, c'est les météorites qui arrivent et qui font des trous béants. Donc explosion, c'est des explosions spontanées. Ça apparaît d'un coup, boum, il y a tout qui explose. Poison de surface, c'est, je crois, ce qu'on a vu, c'est genre le lac bizarre. Je crois qu'on l'a vu, c'est ce qu'on a vu ensemble. Voilà, qui tue. Slowness, weakness, voilà. Donc si vous voulez, au lieu de trous, vous mettez tout. False, comme ça, hop, plus aucune instabilité. Vous créez même, alors même là, si vous faites, vous pouvez le faire, hein, si vous voulez rigoler. D'ailleurs, si vous faites un monde avec 15 pages dense or, aucune instabilité. Voilà pour la modif des configs pour l'utilisation sur un serveur pour des mondes pour chaque personne. Voilà, on se retrouve tout de suite sur la map pour la fin. Allez, à tout de suite. Hop, donc nous revoilà sur la map avec mes magnifiques bulles de night vision. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que la vidéo sera un peu longue. Elle doit faire, à mon avis, dans les 40-45 minutes, voire 50. Je m'en excuse, ça a été un peu mal préparé, mais c'est un mode, ben c'est un petit mode, mais qui est très complexe. Donc voilà, j'espère que mes nombreuses hésitations vous embêteront pas. J'ai pas le temps de la retourner, donc pour vous y ayez au moins une vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous ira. Donc sur ce, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Abonnez-vous, parlez de ma chaîne. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde ou d'aider du monde. Hein, voilà. Et voilà, donc je reviendrai pour la prochaine vidéo, je pense, comme je l'avais dit, qui sera un spotlight. Je pense en deux parties, parce que c'est gros, sur Tinker Construct. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Allez, ciao!